Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 208 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à Harry Potter et la Chambre des Secrets sur Game Boy Color. On avait testé à l'école des sorciers sur Game Boy Color. Maintenant, on fait la Chambre des Secrets. Il n'y en a pas d'autres qui sont sortis sur Game Boy Color. Après, bah, ils ont évolué sur les Game Boy suivantes, ou les consoles, on va dire, suivantes. D'ailleurs, la musique aussi a changé. Donc, EA Games, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Appuyez sur Start. On retrouve le même menu. On a changé de développeur entre-temps. Nouvelle partie inutilisée, toujours un peu le même principe, c'est juste qu'on a changé d'année. Quelles vacances du mois à la rentrée pour retourner à Poudlard? Alors le blabla du début. Allez, voilà, on prend le contrôle, on prend la valise. On reçoit la valise, on prend Edwige. Edwige la chouette. Et on va prendre notre folio. Alors, y a rien de caché dans le livre, je me suis dit, on sait jamais. Parce qu'il y a toujours des objets cachés un peu partout. Alors, on a que deux familles, alors que sur le premier volume, on avait quatre familles. Tu reçois folio magie, folio triplicus. Puis c'est pas mal. Thank you.
Allez, nous revoici dans le jeu. Alors, on va en profiter pour, voilà, ce que je disais, on va, en fait, on appuie sur A devant des objets, et on trouve facilement des objets, quoi, du coup, des potions, regardez la clé, je suis sûr, voilà, dragée surprise, puis c'est bon, pour dehors, on rentre. Mets-toi à table, Harry, je prends ton déjeuner. Ah, ça veut dire qu'un jour passe. La journée passe, et la nuit tombe. Et la nuit tombe, voilà, on est au milieu de la nuit. Alors me voici, je ne sais pas où, on va continuer à explorer, à gratter tout ce qu'on peut gratter, carte des sorciers, sorcières, là il doit y avoir autre chose aussi. Pâte à citrouille, voilà, nickel. Les canapés, peut-être quelque chose sur les canapés aussi, je sais pas. Non. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Bonne nuit. Alors, bah on va monter. Moi je vais me coucher, Harry, à demain. Donc ça c'est Ron. Non, c'est pas Ron. Je sais pas. tu es sur le point de faire une rencontre. Donc on va commencer le premier combat du jeu. Allez, carte sorcier sur cette élève, fuir, rencontrer des points de résistance. Il nous explique, comme sur la première console, avant le combat, qu'est-ce qu'on va faire. Donc on est en train de se battre contre un moulineur là-haut et un ventilateur en bas. Alors on va choisir un sort. Verdimius Uno, donc ça c'est des sorts qui peuvent s'améliorer au fur et à mesure de l'aventure. Hop là, donc lui, il est out. Ouh, ça fait du dégât. Allez, on va lui faire un Verdimius aussi. Ah, il a perdu que la moitié lui par contre. Ah, lui il est un peu plus costaud que son pote là. Ah, on va essayer de changer de sort, on va essayer de lui envoyer un Flipendo. Même sur un ventilateur, ça doit pas faire grand chose. Voilà, 1. Il y a une histoire de type d'attaque aussi avec les ennemis. On va rester sur un Vermius, comme ça au moins on le tue. Voilà. Enfin, on le tue pas, tu vois. On le tue jamais puisqu'il s'enfuit à chaque fois quand ils ont plus de vie. Expérience, voilà. J'ai trouvé des potions, j'ai trouvé des mornilles. Donc j'essaye de voir s'il n'y a pas encore des choses cachées ici. On va monter à l'étage. Hop, carte des sorciers. Je fouille, hein, je me fais pas chier, j'arrive chez les Weasley, je fouille partout la maison. Voilà, encore autre chose ici, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on a là-haut? Un grenier. D'accord, alors il y a quelque chose ici. Ah, il y a des ennemis par contre. On va peut-être éviter d'aller trop voir les ennemis. Ouh, vous êtes un fantôme. Ouh, chaîne. Ah, yo. D'accord. Ce mec là va très bien. Oui, yo. Oh yo yo. Pâte à citrouille. Donc j'ai récupéré tout ce que je voulais. On va redescendre parce que je sais pas du tout où c'est qu'il faut que j'aille. Je crois bien que Ron était au premier à l'étage en fait. C'était lui, je sais pas. Ils sont tous roux, ils ont tous la même tête de toute façon. Donc je sais pas. Est-ce que je peux rentrer? Ouais. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah mais non, mais c'est Percy. Ah là, l'expérience des parfaits préfets. Eh oui, d'accord. Le préfet Percy, ben oui. Alors, lancez Vermius. Hop. Oh, presque one shot. Vous pouvez faire les petits combats de temps en temps. On voit qu'on combat contre un grippin pour changer. Il y a tout type d'ennemis assez marrants, on va dire, dans le jeu. XP, 2 mornies. Ah, j'ai gagné un niveau. J'ai gagné quelques points de caractéristiques. Allez, je vais vous laisser. Je vous laisse 5 minutes. Je pense que je vais aller fouiller dans les chambres là. Et on se retrouve dans 5 minutes. Mathias, je suis rentré dans la chambre à Ginny. Thank you.
voici, cette fois-ci, on est en train de dégnommer le mythique dégnommage de jardin qu'on retrouve sur les jeux PC, qu'on retrouve sur toutes les versions. Il y a toujours dans la Chambre des Secrets, ils nous mettent toujours le dégnommage au début parce qu'on arrive chez Ron et tout. Et que ce soit sur toutes les... J'ai toujours vu. Sur les différentes consoles auxquelles j'ai joué Harry Potter et la Chambre des Secrets, on dégnomme toujours. Donc là, j'essaye de comprendre comment on dégnomme. Alors là, on est pas arrivé plus haut que là-bas. Arrière. Donc là, je suis même pas allé arriver plus loin que moi-même. J'ai foiré mon coup. Ron, on va voir ce qu'il fait. Ah, il arrive à monter, Ron. Il arrive à monter son tir. Oh, le foireux, le tir qu'il a fait. Alors, je vais essayer de monter aussi, comme il a fait, voilà. C'est pas encore comme Ron, mais c'est pas mal. Ah, lui, il va vite. Hein. Voilà, je vais essayer de lancer plus loin. Là, j'appuie quand même taré sur la touche. J'appuie quand même taré, mais... Voilà, on a fini le dégnommage déjà. L'été prochain. Des moments qu'il s'agit de dégnommer, il n'y a même pas de problème. Et voilà. Ah, qui c'est? C'est le père de Ron qui vient. Là, info pour connaître la force et la faiblesse. Ah, il m'a donné un sort, une formousse, pour obtenir des informations sur les ennemis que je combats. Folio Abruti pour les informations. J'ai hâte de m'en servir. Folio Abruti. Allez, donc on va s'arrêter là. Donc ce sera tout pour Harry Potter et la Chambre des Secrets sur Game Boy Color. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.